pour vous, sur quoi il faut pouvoir mettre l'accent, sur quoi il faut travailler en priorité en termes d'environnement pour pouvoir faire bouger les choses, pour pouvoir donner aux jeunes la possibilité d'être écoutés et de pouvoir réellement bouger et changer les choses. Je pense qu'il faut les laisser s'exprimer en fait sur leurs idées, et puis ça passe aussi par l'éducation. Donc nous au département on a la compétence collège, et justement dans les actions qui sont menées, il ne faut pas juste seulement être prescripteur, mais il faut travailler en fait avec les collégiens sur la façon de voir et comment ils peuvent aussi apporter leur contribution et comment on peut avancer sur ces questions-là. Donc c'est vrai que nous au niveau des collèges, on a déjà mené différentes actions autour de l'alimentation, du tri, mais on se rend compte aussi que ça ne se fait pas partout et que là, il faudra réfléchir pour uniformiser les pratiques et pour aller plus loin en fait, dans toutes ces actions-là avec les collégiens. Pour vous, où est-ce qu'il faudrait agir en priorité, que ce soit sur la préservation des espaces naturels, sur par exemple le transport, la montée des eaux, le réchauffement climatique? Qu'est-ce qui est la priorité pour vous ? La priorité, c'est sur toutes les réflexions qui sont menées sur l'urbanisation. On se rend compte qu'il y a un équilibre à trouver. Il faut que les gens puissent se loger et il faut aussi préserver notre patrimoine, que ce soit littoral ou toutes les zones rurales. Donc je pense qu'aujourd'hui, sur tout ce qui est urbanisation, il ne faut plus être avec des terrains de 1000-2000 mètres carrés. Mais voilà, il faut imaginer autrement l'habitat. C'est aller vers une éco-conditionnalité des aides peut-être ? Avoir un autre modèle d'habitat, être aussi sur du modèle aussi partagé. Voilà, j'ai eu l'occasion de voir une présentation avec une chaudière partagée entre plusieurs habitats ou du jardin partagé. Et voilà. Et je pense que c'est vers là qu'il faut aller demain si on veut préserver nos ressources.